Bonjour Yayo. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui les petites améliorations que j'ai faites sur Mouloud. La principale amélioration, c'est la pose d'un système de chauffage de l'eau pour la douche. Un système électrique avec une petite réserve de 5 litres d'eau. Modification qui consiste à quelques petits aménagements intérieurs. Premièrement, on va installer un chauffe-eau de 5 litres électrique avec aussi l'installation d'une douche amovible et d'un mitigeur. J'ai aussi modifié un petit peu la partie, le boîtier électrique où j'ai installé une prise 220 volts et puis j'ai modifié le lit intérieur bas où j'ai fait un faux plancher et ce faux plancher se place très rapidement pour créer le lit en bas. Je vais vous montrer tout ça. Installation du mélangeur et de la douche. On a également l'installation du filtre qui va venir depuis le réservoir avec un robinet, une prise rapide pour pouvoir tout démonter. J'ai installé le petit boiler 12 volts, c'est un boiler de chez Puttmann, voilà, qui vient directement d'Allemagne, avec réduction à 1,2 bar pour la pompe, qu'on va venir installer ici. Et puis voici la modification électrique. Là, je suis en train d'installer la prise 220 en dessus du tableau de commande. Le passage du câble. Voilà, une fois le passe-câble mis, ce que ça donne.
également ici. Ensuite, on vient ici et on va pouvoir aller sur la batterie. Et à l'intérieur, voilà ce que ça donne. On passe vers les portes, on remonte ici sur l'arrière et hop, on va finir sous l'évier ici pour arriver à ce contact. Et voilà le système de douche avec le mitigeur. Alors, première chose, test de la pression d'eau. On ouvre, on contrôle, aucune fuite, mon petit filtre à charbon actif. On va mettre en marche la pompe. Yeah, ça fonctionne. On va contrôler si en pression. Voilà la pompe. Une fuite à ce niveau-là. Contrôler dessous l'installation. Alors, c'est un peu le bordel là-dessous. Il n'y a pas beaucoup de place, mais c'est super. Ça ne coule pas. Alors, je ne sais pas si vous voyez au fond, en blanc là-bas, c'est le petit système de chauffe. La douche là. Le chauffage ici, qu'on va tester tout à l'heure. Et puis, la pompe. On va tester la pompe, mais on va mettre la douche pour faire ceci. Ici, on va la brancher. Super. Voilà, la douche se range là. Et on va tester. Maintenant le chauffage. Et pendant qu'on y est, ben, je vais vous montrer la deuxième amélioration. Ça concerne le lit. J'ai démonté une partie et j'ai fait un caillebotis qui est un plancher qui permet de faire un lit supplémentaire en bas. Je vous montre tout ça. Je vais vous montrer d'une main si j'arrive à le faire. Voilà. Alors. Simplement. De poser ça comme ça. Alors voilà le lit en bas qui fait 1,80 m par 1,10 m de large. Donc suffisant pour un appoint au cas où on peut pas lever le toit pour dormir. Donc on dormira en bas. C'est vite fait, c'est vite mis. J'ai deux matelas gonflables ici et ici. Et puis si on passe sur le côté, et voilà, depuis là-bas, la vue. Ah oui, encore une petite chose que je n'avais pas montré, c'était la table intérieure. On va la sortir ici. Donc système lagoon, là, qui va se monter ici. Ça va comme ça. Et ma table. Voilà. Qui vient monter ici, tenir à dos, sans problème, pour manger, pour travailler. C'est parfait, ça se tourne dans tous les sens. Peut même rester comme ça. Là, petite table très pratique et vite montée. Voilà. Alors la dernière amélioration concerne les toilettes sèches. Alors j'ai refait un meuble. Voilà. Très bien. Ici, on peut enlever ça. D'une main, c'est pas facile. Voilà. Et là, on a accès aux deux bidons pour l'urine. Et pour le solide, voilà, un peu de sciure et c'est terminé.
Voilà. Une heure exactement que ça chauffe. On va contrôler tout ça, si ça fonctionne. On remet la douche. Impression. Bon, le test est concluant après une heure de chauffe. C'est assez chaud. On verra combien de temps les 5 litres vont durer. Allez, on fera un test candeur nature quand on sera en bivouac. Bye, à la prochaine et n'oubliez pas de vous abonner si cette vidéo vous a plu.